Alors là, après ça, Stéphane Echa, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller applaudir Thérèse Liotard, Sophie Barjac et Gwenola Deluze à la Comédie de Paris dans Poker. Bon, il va falloir voir trois femmes qui commencent par jouer au poker, puis qui picolent pas mal, si j'ai bien compris, tout au long de la pièce, et qui... on va dire un peu alcoolisé, l'alcool venant et l'alcool aidant vont finir par se faire des confidences sur leur vie personnelle les unes et les autres, c'est bien ça? Des confidences, je dirais pas des confidences, mais elles vont finir par se dire des choses qu'elles ne se disent pas d'habitude. Disons que ça va être une journée un peu particulière. Vous par exemple, alors vous jouez, votre Moi, rôle, je expliquez. Je joue Agathe, qui est l'intello du groupe. Et qui n'a pas l'habitude de boire. Et donc, comme elles vont me faire boire, ben, je vais finir par dire certaines choses que dans des circonstances, disons, plus normales, je n'aurais pas dites, mais que j'ai bien fait de dire, parce que ça va mettre les trois femmes en face, tout à coup, de leurs responsabilités, disons, par rapport à elles-mêmes. Pourquoi vous avez choisi Thérèse Liotard pour ce rôle-là? Est-ce qu'elle aurait pu jouer un des deux autres rôles, Sonia Volraux? Non, je la voyais vraiment dans ce rôle-là. Je trouve qu'elle est délicate, délicieuse, intelligente, subtile. Et voilà. Et... Sophie Barjac, et... qui joue Caroline. Absolument. Alors, le profil de Caroline? Caroline, c'est une femme, enfin comme toutes les trois d'ailleurs, décalée dans cette... La pièce est décalée. Oui. Et elle est très solaire, lumineuse, lunaire, un peu de Marilyn comme ça... qui ne serait pas à sa place, mais elle n'est pas bête, c'est quelqu'un qui se cache, qui retarde un peu l'échéance en parlant de voyance, en parlant de choses et d'autres, mais qui se cache. Et en fait, Thérèse va arriver et ça ne va pas. Voilà. Gwenola Deluze, alors où vous êtes? Béa. 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 Je suis l'homme de la situation. Je suis le personnage est entre Tina Turner et Clint Eastwood. Ouais. Et je joue un western une grande partie de la soirée. Parce qu'il faut le dire, c'est drôle cette pièce. Ah, bah, elle est très drôle. C'est une copie. Non, parce que là, vous nous racontez tout ça très tristement. Alors, moi, je n'ose rien dire, mais merde. Ah, Sonia, vous êtes d'accord? Ah, oui. C'est un prétexte à une franche rigolade. Non, mais quand même. Mais c'est même très inattendu, parce que. C'est très inattendu par rapport à ce qu'on peut. Oui, c'est une comédie, mais décalée, déjantée, burlesque. Loufoque. On y va, et quelques membres vont dire ah, ça va trop loin, mais non, on y va. Le mieux, c'est de regarder un extrait. Oui, absolument. Voici l'extrait. Tiens, voilà Béatrice. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ce qu'il est sexy, ce type. C'est pas un Français. Oh, regarde Béatrice, regarde comment elle la guiche. Beau comme ça, c'est pas un Français. Elle va peut-être nous le présenter. La voilà, viens, elle va croire qu'on mate le tiers-monde. Oh, les filles, enfin! Omar. Une merveille. À ce propos, ce sont les Turcs ou les Grecs qui... Qui quoi? Baki. Mais c'est pas possible, là, vous n'avez rien d'autre à la bouche que le sexe, hein? C'est affligeant. Je suis en train de comprendre que tout ce que j'ai fait, tout ça... C'était pour plaire à mon mari. Et quand il m'a annoncé qu'il me quittait... Mais t'as soutenu l'autre jour que c'était toi qui l'avais quitté. Je sais, j'ai menti. On s'éclate! On s'éclate! D'accord, on s'éclate! Alors? Poker! Poker! J'ai quand même quelques extraits du texte là qui m'amusent vraiment bien. Alors, ça donne envie d'y aller. C'est Agathe qui parle et qui imite sa belle-mère. Est-ce que vous souvenez du passage de la pièce? Personnellement, moi, j'ai jamais autant ri que... Enfin, voilà. Depuis que je fais ce métier, ça fait déjà un bail. Je dois dire, c'était 35 ans quand même. Mais oui, moi je le dis, c'est pas de souci. Moi. Déjà, c'était l'hôtel de la plage, oui, c'est moi, ça? Oui, ça fait 30, j'allais dire 50 ans. Non, je vais dire 50 ans. Ça fait 35 ans que je fais ce métier et l'hôtel de la plage, c'était il y a 30 ans. Enfin, tout ça pour dire que, en tout cas, au niveau répétition... Tous les jours, on a eu des fous rires, on s'est vraiment marré, quoi. C'est pas un travail dans la frustration. Non. C'est un travail vraiment inventif parce que lâché. Et puis elle prend ce qu'elle veut bien prendre. Et cette tenue léopard, c'est donc votre tenue de scène? J'en ai une autre. Je l'ai laissée. Oui, c'est aussi une tenue léopard, mais disons que j'ai pris la deuxième. Juste un conseil, ne sortez pas dans ce quartier comme ça. C'est vrai.
Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. J'assume. J'assume. Pourquoi? Parce que, bon, on est dans un quartier... Faut vous le dire, on touche à la fin de l'émission. Pierre ne connaît pas encore la tradition de cette émission, mais à la fin, on va tous visiter les boutiques du quartier. Et on finit. Bon, c'est une soirée très, très, très sympathique, amusante. Enfin, voilà. OK, c'est pas gagné. Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux. Moi, je l'ai rencontrée avec une robe léopard et je lui dis, tu la gardes. Voilà. Elle, c'est bandant, tu la gardes. Et elle, est, ça, elle a gardé sa tenue de scène. Vous trouvez ça bandant, Stéphane Aichet, ou une tenue léopard? Ça dépend sur ce que ça veut dire. Sur les légères érections. Légère érection. Excitant. Excitant. Non, mais sur elle, c'est très excitant. En scène, c'est... Non, mais c'est très joli, madame. Très, très joli. Je suis successe. Justement. Vous pouvez applaudir Gwenola Delu, Sophie Barjac, Thérèse Lyotard.